توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني. Voilà, on a pu acheter ce qu'on voulait. Ensuite, on est parti du village pour retourner au camp bédouin. Donc, on a fait notre barbecue, machallah, comme d'habitude. Ce qui est bien, en fait, sur ce site, c'est que l'organisation, en fait, c'est eux qui nous allument le feu du barbecue, qui nous ramènent le matos, même les assiettes, les verres et tout ça, les tables, les chaises. Nous, en fait, on a ramené que la viande. On a acheté la viande à Carrefour. Et ensuite, le reste, on a acheté, comme vous avez pu voir dans le magasin, là, des petits paquets de chips et des gâteaux, des choses qui vont accompagner le barbecue. Voilà, on était quand même assez fatigués parce que quand même même si c'est pas loin Sharjah, Ras El Khaimah, mais le fait d'avoir changé d'environnement en fait, eh bien on sent quand même la fatigue du voyage. Subhanallah, c'est étonnant. Et d'ailleurs, on a eu un débat sur ça, sur le fait que est-ce qu'on était vraiment considéré comme moussafir, voyageur ou pas. Parmi nous, il y en a qui ont prié, qui ont choisi d'être voyageurs et d'autres qui ont préféré être habitants. Voilà, donc de toute façon, le sujet du voyage, c'est le sujet qui a le plus de divergences. Donc, il y a déjà le fait, la notion même de ce qu'est le voyage, la notion même de ce qu'est le voyage, sur ce sujet-là, même il y a une divergence. Et donc, ensuite, on a le nombre de kilomètres, la distance, on a pas mal de choses, on a des choses autour du off, c'est-à-dire les habitudes des gens. Est-ce que le fait que les gens partent de Sharjah à Ras El Khaimah, est-ce que c'est considéré comme un voyage? Donc, on a tout ça, en fait, on a pu quand même staffer par rapport au Shir, au Stes qui nous a un peu, en fait, parlé un peu des différents avis sur ce sujet, par rapport à différents points de vue des Meshaykh. Donc voilà, alhamdoulilah, ce jour-là, comme on était fatigué, donc on a dormi assez tôt, comme on a dormi à 22h, ou 22h, parce qu'on avait une grande journée qui nous attendait. Donc ensuite, on s'est réveillé au Fajr, donc à 5h du matin à peu près, et la première activité de la journée, qui en fait ne doit pas être une activité, mais ça doit être quelque chose qui doit être déjà ancré dans nos vies à nous, c'est le fait d'avoir un temps pour le Coran. Subhanallah. En fait, on vit dans une époque où en fait on délaisse le Coran tellement que il y en a, ils lisent le Coran que très rarement, que tous les Jumu'ah par exemple, ou même il y en a, ils lisent une fois par mois. Alors qu'en réalité, le musulman, en fait, le Coran doit l'accompagner. Et nous, justement, ce voyage, c'est aussi pour montrer à l'étudiant, en fait, comment avoir une bonne routine de vie, une bonne hygiène de vie, mais en termes d'aspect dîn. C'est-à-dire que le fait d'avoir un word quotidien, un moment à toi pour le Coran, pour Allah Zawajal, pour mémoriser ou pour réviser ce que tu as déjà mémorisé, ça c'est quelque chose qui doit être obligatoirement dans la vie de chaque musulman. فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Ensuite, après ça, d'habitude, on enchaîne directement. Après le Coran, on enchaîne directement le sport. C'est-à-dire, on va dire de 5h30 jusqu'à 6h30, 7h, une heure et demie de Coran, et ensuite on enchaîne le sport. Mais là, on était tellement fatigués, subhanallah, qu'on a décidé de refaire de dormir un peu pour repartir après de plus belle avec les activités sportives, le bootcamp avec notre coach Abou Lokman, mashallah. Yalla yalla shabab. Yalla shabab. Y'a pas d'esquive. Yalla shabab, yalla 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 yalla.
Et comme d'hab, on a toujours, toujours dans le groupe des étudiants qui esquivent. Il y a des étudiants qui vont se reconnaître, Inch'Allah. Non, il y avait des étudiants qui étaient fatigués vraiment, qui n'avaient pas dormi la nuit. Donc, ça se comprend. Et voilà. Et surtout que Abou Lokman, subhanallah, il a mis le paquet sur le sport là, parce que moi qui fais rarement du sport, à chaque fois je dis je vais reprendre, je reprends jamais. Je sais que le Oustaz c'est pareil, mais là c'était vraiment il nous a pris, ça y est, il n'y avait pas d'échappatoire. Donc on a pu faire du sport, on a commencé par un petit footing autour de dans le site comme ça, autour du site là, comme ça, sans sortir du camp. Donc on a commencé à courir, ensuite on a commencé à faire des exercices à tour de rôle, voilà, des exercices qui demandent beaucoup de cardio. Des exercices qui demandent beaucoup de cardio, subhanallah. J'ai vu qu'en fait, le fait de ne pas pratiquer de sport, j'ai carrément, mon cardio, il est à zéro. Vraiment, il est à zéro. Donc, ça m'a fait me remettre en question sur le fait de, il faut vraiment que j'intègre dans ma vie un moment pour le sport. C'est important. En fait, on est toujours embarqué dans nos vies, on a beaucoup de choses à faire, surtout aux Émirats. La vie aux Émirats, c'est à 100 à l'heure. C'est-à-dire que vous avez pas mal de choses à faire, surtout si vous êtes commerçant, vous avez des business et tout ça. Eh bien, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à mettre du sport. Alhamdoulilah, il y a des frères qui ont pris de bonnes rythmiques ici. Il y a un groupe de foot de Mohajeroun qui sont là toutes les semaines. Ils jouent, ils ont un petit groupe. Et toutes les semaines, ils jouent et en fait, ils dérogent pas à la règle. تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتى تنام الدهر ويحك في غطيق بها حتى إذا مت انتبهت فكم داهمت مخدوع وحتى متى لا تروي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أخذت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبتا هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربتا فواظبه وخذ بالجد فيه لأن أعطاكه الله انتفعتا وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت.